Le problème, c'est que la poudre. La poudre se base un peu sur les tarifs allemands. Ou même internationaux maintenant. Parce que c'est même plus le tarif allemand qui joue, c'est aujourd'hui, les charges, le tarif national, malheureusement. Les charges sont nationales. Mais c'est beaucoup plus allemand. Le vrai problème, c'est Fonda, c'est Nouvelle-Zélande, c'est tout le bassin. Qui joue aujourd'hui sur la poudre, fixe, avec le marché à terme. C'est ça qu'il faut mettre. Et l'Europe aujourd'hui, si on ne prend pas ça en compte au mieux, on va se tromper. C'est-à-dire que ce n'est même pas la gestion européenne qui est en jeu, c'est l'impact de ce qui se passe en fait, sur le marché de production. Il y a un impact direct sur la production, puisque l'Asie, il y a la Chine, et qui impacte ensuite en Europe. Et dès que la poudre baisse à l'économie internationale, elle baisse. Et c'est là que même quand on a des produits étrangers, comme il y a toujours une part de 30, 40 sur les prix, qui sont au moins dans les transformations de qualité, 30, 40, 50%, bah, automatiquement, la génération fait qu'on baisse le prix du lait, puisque c'est à la fois le lait, il sert à quoi faire de la poudre, et à la fois des produits étrangers. Dès qu'on atteint une taille,